bonjour, bonsoir, bonjour, hein, comme selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Voilà, bienvenue sur Entre Jeux Studio et plus particulièrement sur l'émission Entre deux guerres, émission figurine. J'espère que vous allez bien et surtout, est-ce que vous m'entendez bien? C'est la première chose que je vais demander. Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que le son est intelligible? Est-ce que ça vous convient? Dites-moi tout dans le chat. Est-ce que tout le monde m'entend? Qui répond en premier? WAC, Aventurier des Jeux. Lequel des deux va me dire en premier? J'ai dû monter à 50%. Bon, bah, 50%, ça veut dire qu'il y a du mieux. Avant, il fallait monter à 100%. Bah, j'ai changé de micro. Normalement, ça devrait être un peu mieux. Et en plus, manque de bol, ce soir, j'ai un peu la voix cassée. Donc, j'espère que ma voix va tenir jusqu'au bout de l'émission parce que je sors d'un très, 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 très vilain rhume qui m'a un peu flingué. Alors, j'espère que vous avez passé un bon mois au BI depuis la dernière émission. Vous avez pu pousser des figurines, monter, peindre, vous faire kiffer avec de vieilles figurines, de nouveaux jeux, etc. Juste kiffer le hobby. On va peut-être commencer cette émission qui s'annonce assez dense. On va attendre peut-être 2-3 secondes, voir si d'autres personnes nous rejoignent. Et n'hésitez pas à me dire dans le commentaire quel a été votre mois hobby. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez découvert ou testé? Allez-y, dites-moi dans les commentaires. Alors, Wag dans le chat qui nous dit le chroniqueur d'Exidium Film est malade aussi. Vous avez passé une nuit Wargame ensemble? Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un petit garçon qui m'a collé son rhume, en l'occurrence mon fils, du haut de ses 2 ans, a fait un câlin à son papa en étant malade et a collé ses miasmes à son papa. Voilà, les joies d'être jeune parent. Bon, allez, sans plus attendre, parce que vous êtes après tout là pour ça, on va passer sur nos sujets du soir qui sont assez nombreux. Assez nombreux. Hop là. Alors, comme je l'avais teasé dans l'annonce Facebook et comme vous pouvez le voir à l'écran, ce soir, on part dans les guerres alchimiques. Et ce ne sera pas notre seul sujet du soir. Hop, hop, et hop. Alors, si mon ordinateur accepte, voilà, d'afficher moi ce que j'en ai besoin. Donc, les guerres alchimiques, vous en doutez bien, nous allons parler d'alchimie ce soir, mais ça sera notre sujet un peu à la fin, à plat, puisque le wargame en général a eu quand même pas mal d'annonces ces derniers jours. On sent que l'Adepticon approche. Donc on va commencer sans plus attendre par AOS, le jeu par lequel je commence le plus souvent nos émissions. Et AOS, il y a de quoi dire. Il y a de quoi dire aujourd'hui et ce soir. Puisqu'on a eu une super annonce, en l'occurrence, les Dakota. Donc, le renouveau des. Ah, on a un nouveau followers. Et merci à Otal, qui a lâché son Prime. C'est son 3e mois d'abonnement. Merci beaucoup, Otal, pour ce Prime. Merci beaucoup. Merci infiniment. Donc, pour revenir à ce que je disais. Dakota, donc, qui seront les nouveaux maraudeurs. En effet, pour ceux qui sont comme moi des vieux wargamers, donc qui ont. Maintenant, moi j'ai quoi? J'ai 23 ans de wargame au compteur, ça commence à faire beaucoup. Vous avez connu les vieux maraudeurs plastiques, tout bodybuildés, à la Conan le barbare, avec des poses assez, comment dire, statiques. Voilà, et là, on a des nouveaux maraudeurs, donc qui ne s'appelleront plus maraudeurs, mais Dakota. Ou Dakota. Dakota. Et donc, les nouveaux Dakota vont apporter ce renouveau à la gamme de Slay to Darkness, puisque c'était finalement les dernières vieilles figurines de la gamme Slay to Darkness. Et pas KO, parce qu'en KO, il reste encore de vieilles figurines, mais vraiment, en Slay to Darkness, la gamme, du coup, est complète et complètement refaite. Et on a vraiment bien fait d'attendre, puisqu'on a des figurines sublimes. Alors, à l'écran, vous voyez une bande issue de la série sur Warhammer Plus, donc la chaîne de VOD de Game Workshop. Donc une bande tout à fait sublime, hein, vraiment, elle a un charisme assez dingue. Le héros, celui qui a la hache et l'épée avec sa mèche au vent, est tout juste sublime. Voilà. Et c'est Dark Oath. Oh punaise. Bah, Dakota, c'était plus simple, hein, parce que Dark Oath, c'est quand même, à moins d'être anglais, c'est quand même assez difficile à dire pour nous qui parlons français, mais Dark Oath, excusez-moi, je me corrige, merci Otal pour cette correction.
Voilà. Alors, je profite pour lire quand même les commentaires de ce que vous écrivez. Et on parle pas de guerre à coups de camembert, nous dit Wag. Oh, si, si on peut. On peut parler de camembert si tu veux, mais c'est pas trop le sujet de l'émission. Ah, Wag, mais si tu comptes. Il dit, moi, je compte plus, mais si tu comptes, Wag. Tu es là à toutes les émissions. On t'en remercie. On t'aime très fort. Et Otal qui nous dit mon épisode de Bad Batch qui se termine pile au début du stream, les astres sont alignés. Oh là, on a encore un follow. Oh là là, et ça commence à. Et vous êtes chaud ce soir. Et c'est Dragon, ben merci beaucoup pour ton follow. Merci infiniment. Merci, merci beaucoup. Merci à toi et de nous rejoindre dans cette émission. Donc, je reprends le cours après avoir cette interlude sur le chat. Je reprends le cours de mes explications. Donc, les Dark Hauts, donc qui seront les nouveaux maraudeurs. Donc, la bande issue de Warhammer Plus, qui est très belle. Mais le reste de la gamme est pas en reste. Vraiment, Games a frappé, je trouve, personnellement, très fort avec cette gamme. Bon, je vous ai remis une figurine un peu plus proche de la cavalière qui accompagne la bande nommée. D'autres photos de la bande nommée qui. Donc, comme je vous disais, elle a beaucoup de charisme et beaucoup de charme. Ce chef avec ses deux haches, vraiment, je le vois bien comme personnage pour 40K, pour faire les traîtres de la garde impériale. Franchement, elle a beaucoup de classe. Et, avant toute chose, quand même, avant de passer aux autres figurines, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler, mais il y aura un Battle Tome supplément. Donc, qui sera quelque chose en attendant le Codex, le Battle Tome, pardon, V4 qui va arriver. Donc, ce sera un Battle Tome supplément pour intégrer les Dark Hauts à vos armées de Slave to Darkness. Je trouve ça cool de la part de Games de nous apporter ce supplément, parce que on a tous accès à l'application finalement Warhammer Age of Sigmar, qui est gratuite, donc on aurait accès aux règles. De toute façon, je pense qu'ils vont mettre à disposition les règles sur le site de Games, mais on va avoir aussi l'ajout de background, parce que c'est vrai que les Dark Hauts, finalement, on sait pas grand-chose, on les avait pas encore vraiment vus particulièrement, spécifiquement dans l'univers d'Age of Sigmar. Je pense que ce Battle Tome supplément va nous apporter des pistes de fluff et peut-être nous ouvrir à la V4, puisque on va pas se mentir, la V4 c'est pour le mois de juin-juillet 2024. Ça me rappelle un truc de film, cette couverture. Ah bah ça doit te rappeler la couverture, oui, elle doit te rappeler certainement Conan le Barbare. Il y a un truc avec la Conan le Barbare, clairement, c'est sur cette couverture. Ouais, qui nous dit, faut dire que c'est la meilleure émission de la semaine, d'ailleurs elle devrait être hebdomadaire. Non, 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 hebdomadaire, vu le temps que me demande la préparation des émissions, hebdomadaire, j'ai que j'arrête de travailler, donc faudrait m'embaucher, les enfants. Alors, bonsoir, Kasga qui nous rejoint. Ouais, qui nous dit que le héros de la couverture fait penser à un mix entre The Rock et l'acteur de Machete jeune. Il y a de ça, c'est vrai qu'il y a un petit côté muscle de The Rock et tête de Machete, l'acteur de Machete, qui est un très 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 grand acteur. On va passer quand même aux photos. Donc on sait d'ores et déjà qu'on va avoir une boîte comme c'est un peu le nouveau leitmotiv de Games, de partir d'une grosse sortie d'un codex, on va avoir une grosse boîte avec un codex à l'intérieur. Un peu en avant-première, avant la sortie officielle, on va avoir cette grosse boîte avec plein de figurines dedans. Et le codex. Et là, on va avoir la quasi-totalité, on va dire la totalité de la du de ce qui va être les Dark Hauts. Donc avec un commandant à cheval, puisqu'on sait qu'on a déjà une figurine à pied qui existe. On va avoir des cavaliers, ainsi que des troupes de base à pied, et un monstre. Un monstre, de ce que j'ai compris, qui était un champion un peu trop, comment dire, ambitieux, puni par les dieux, du coup transformé en gros monstre, et qui devenait un peu le gardien de sa tribu, puisque les Dark Hauts sont des tribus marchant en système clanique apparemment, de ce qui a été ce qu'on a pu lire sur le Warhammer Community. Donc voilà, donc c'est un peu le tonton bizarre de la famille, hein, parce que bon, effectivement, quand on voit sa tête, la figurine est très belle, mais aussi un peu étrange. Voilà, ça permet de faire ma transition. On a vraiment un monstre assez classe. On retrouve les icônes quand même du reste de la faction Dark Hauts, en tout cas de ces clans-là, mais avec un truc un peu monstrueux, un peu difforme, un peu chelou. Et donc voilà, lui c'est censé être quelqu'un puni par les dieux qui devient le gardien de sa tribu. Et bonsoir Scolarus, oui, Solcarlus, pardon, qui nous rejoint. Excuse-moi d'avoir écorché ton nom. Et Casca qui nous dit, c'est nul, il n'y a pas de Nurgle.
Oh bah tu peux très bien les convertir en Nurgle. Ce monstre, je suis sûr, en Nurgle rendrait très très bien avec un peu de green stuff. Voilà. Alors, Wack nous dit, les barbares, c'est pas évident à peindre pour les débutants à cause des muscles. Bon, ça dépend, si tu fais des barbares propres, ça peut le faire. Moi, je dis, des barbares propres, ça se peint bien. On va poursuivre quand même sur nos chers Dark Hôtes. D'autres photos de notre ami le gardien. Je crois que c'est le Mollerfind, son petit nom. J'ai un trou de mémoire, mais je crois que c'est ça, Mollerfind. Voilà, on a une photo du chef Dark Hôte à cheval. Le détail du cheval avec ce crâne attaché pour lui faire une espèce d'armure au niveau du museau et d'enfer, ça lui donne une ambiance un peu étrange, un peu bizarre, qui est géniale. La figurine bon, est très très belle, mais je suis plus fan du cheval que du cavalier. Cavalier, je le trouve, entre guillemets, assez classique, mais voilà, il y a quelque chose d'intéressant avec la figurine au niveau de ce cheval. D'ailleurs, quand on voit les autres cavaliers de l'armée, ils gardent cette idée de masque de protection au niveau du museau pour donner ce côté un peu étrange et un peu bizarre au cheval. D'ailleurs, on peut voir d'ores et déjà qu'ils auront des armes de jet. Alors, je pense qu'il y aura arc, javelot, et pas un truc d'armes unifiées. Et je pense qu'on pourra soit les équiper épée, javelot, épée, arc. L'une ou deux des versions, je pense. Ah, alors, Casca qui nous dit, de plus en plus, j'aime les chevaux. Ah bah j'aime moins de les voir au galop. Bah, effectivement, c'est vrai que bah, c'est des chevaux un peu du chaos, donc ils sont un peu difformes, un peu plus musculeux. Donc ça donne une ambiance un peu bizarre, ce qui va bien avec un peu l'armée. Mais c'est vrai que si t'aimes les chevaux un peu mieux proportionnés, un peu style chevaux du Rohan, ça peut paraître un peu étrange. Hop, passons maintenant aux troupes à pied. Là aussi, il y a un gros boulot de dynamisme. Alors, ce que je crains, et c'est ce qu'on voit sur beaucoup de kits récents games, c'est que le montage soit extrêmement normé, c'est-à-dire qu'on peut changer une arme, un bouclier ou une tête, mais le reste de la figurine à convertir, c'est une tannée, parce que pour que ça s'emboîte bien, c'est le F1 qui va avec le F2, et si on le met avec le F3, ça marche plus du tout. La figurine est construite de telle sorte que c'est un peu plus galère à monter. Là, moi, actuellement, j'ai monté des figurines récentes, mais pas trop, hein, mon prince démon sur base ça y est, je perds son nom. Du Minotaure du Chaos, là, avec son lance et son bouclier, j'ai perdu son nom. Bah, en fait, la figurine, clairement, elle est faite pour monter de telle manière, telle manière, telle manière. Elle n'est pas forcément propice à la conversion. Ou tout du moins, il faut jouer du cutter et de la pince coupante et un peu de green stuff pour que ça ait quelque chose de sympa. La conversion devient un peu difficile chez Games, ou alors très mineure. Ce qui avant n'était pas le cas, puisque bah, finalement, tous les bras marchaient avec tous les bustes, etc., etc. C'était beaucoup plus modulaire. Bon, maintenant on a des figurines très jolies aussi qui ont gagné en esthétique, mais on a perdu au détriment de la conversion. Même si vous êtes un peu débrouillard et de la green stuff, et je vous dis un cutter et une pince coupante, vous devriez vous en sortir. Voilà, d'autres photos encore de ces mêmes personnages à pied, on a vraiment une ambiance, quoi. La porte-bannière qui est vraiment d'enfer, le vieux guerrier avec sa lance, elle est géniale. Vraiment, il y a quelque chose de vraiment sublime sur ces figurines. Ça valait le coup d'attendre plusieurs années pour une refonte des maraudeurs, parce qu'on a vraiment des figurines très, très, très belles. Alors, c'est pas vraiment du AOS, c'est plus du Blood Bowl, mais je devais vous en parler quand même. L'annonce qu'on a eue de la nouvelle équipe Blood Bowl, en l'occurrence, les. Alors, j'allais dire des lutins, mais oui, c'est pas des lutins, c'est des gnomes, pardon, les gnomes. Les gnomes avec toute leur myriade d'animaux, puisqu'ils dressent des animaux pour jouer à Blood Bowl avec eux. Et les figurines sont juste d'enfer. Alors déjà, nos amis les gnomes ont une sculpture d'enfer. Il y a un petit côté gnome nain de jardin, très rigolote. Mais les animaux sont géniaux. On a un blaireau, une oie, deux renards, parce qu'on a l'écran. Je vous ai mis un des renards, mais il y en a un autre qui tient un ballon dans sa bouche et avec l'expression faciale, on dirait que le renard il est heureux, il passe le meilleur moment de sa vie avec son ballon dans la bouche. Et cette bande, elle est géniale. Alors c'est pas directement du AOS, je sais. Je voulais pas faire une section exprès Blood Bowl parce que je ne maîtrise pas Blood Bowl, mais je me devais de parler de cette équipe. Pourquoi? Parce que je trouve que ce soit les animaux ou les personnages, à ajouter sur des socles pour décorer un socle Stormcast. Un socle de Magma Drode, je sais pas moi, ou même en City of Sigmar, la figurine avec le Major sur le dos de l'ogre, rajouter un gnome au milieu pour le style, ça peut être d'enfer, ou même sur les méga gargants,
avec les grands géants, là, ça peut rendre super vraiment le côté petit et grand, ça peut être très très fun. Il y a un truc à jouer, puis je trouve les figurines extrêmement réussies et très très chouettes. Ah oui, en plus, quoi qu'il nous dit, ça peut servir à plein d'autres jeux. Effectivement, alors Turnip, je sais pas, mais oui, ça peut servir à énormément de jeux, cette armée, hein. Voilà, je pense notamment à d'autres variantes de Mars Code Aurora. L'armée peut très bien être utilisée à ce niveau-là. Et salut Ben qui vient d'arriver de nous rejoindre. Oui, t'es socles de Sylvan est tout à fait Ben. On peut envisager sur des socles de Sylvanette rajoutés, puisque des gnomes avec des Sylvanettes, c'est pas quelque chose de déconnant. D'ailleurs, je pense que vous êtes nombreux comme moi à vous dire, franchement, je craquerais bien pour cette bande Day One, juste pour le plaisir de voir ce que je pourrais en faire en termes de conversion. Passons à la suite, si vous voulez bien, et parlons de 40K. Alors 40K qui n'a pas eu trop trop d'annonces ces derniers temps. Et pour cause, l'Adepticon arrive, on le sait, 40K est un des jeux phares de Game Workshop. Ils vont garder des annonces assez importantes pour l'Adepticon. Mais quand même, on a la ressortie du Big Mech avec Shock Attack Gun. Pour ceux qui connaissent, qui sont vieux comme moi, vous avez connu la vieille figurine en métal toute cliché. On a eu ensuite la nouvelle figurine qui est celle qui arpente encore les tables de jeu en Finecast. Et maintenant, on en a une en plastique et qui est vraiment superbe. Alors, on a perdu le côté rigolo qu'on avait de l'ancienne en Finecast avec l'aspirateur à Snotling. Mais elle a beaucoup de charisme, celle-là, avec son énorme flingue, tout son matos sur le dos, avec son système de vérin mécanique pour pouvoir s'ancrer au sol, parce que bah, son arme a énormément de recul. La figurine, elle est vraiment, vraiment d'enfer. L'arme, elle est géniale. Elle est superbe. Et puis on voit le détail avec les pans mécaniques au niveau du bras. Et on voit qu'en fait le bras, il est bien plus que juste portant l'arme. Il est carrément connecté au bras. On a tout un système de câblage autour du cou, tout ça. La figurine, elle est d'enfer. Il est à moitié orc, à moitié robot. Voilà, et elle est très 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 chouette. C'est une belle surprise cette figurine. D'ailleurs, on voit qu'il y a une option d'arme sur le bras droit. Peut-être que on pourra l'équiper différemment. Voilà, bon, c'est pas une figurine de corps à corps, hein, c'est plus souvent un tireur. Voilà, souvent on va les retrouver dans les unités de tireurs. Mais donc voilà, figurine super qui nous annonce l'arrivée du Codex Orc. Hein, d'ailleurs, voilà, il y aura aussi sa boîte au Codex Orc avec un stompa. Maintenant, on va passer sur une figurine que vraiment j'ai pas du tout aimée. Sur 40K, annonce d'une nouvelle boîte Custodes, qui en soi est très intéressante. Hein. Si vous voulez vous lancer dans Warhammer 40 000 et ou les Custodes, franchement, la boîte est vraiment intéressante et value, parce que vraiment, je crois que vous avez quasiment 1500 points d'armée, grosso modo. Donc très intéressante comme boîte. Par contre, cette figurine, eh ben, elle est pas belle. Elle est pas belle. Bon, la tête, on n'en parle pas. À la rigueur, on peut lui mettre son casque, vous me direz ça, bon, on peut changer la tête, c'est pas un souci. Mais c'est des proportions. On dirait que c'est un nain, il court sur pattes. Hein, vraiment, un nain d'Heroic Fantasy, quoi. Il est court sur pattes. Je comprends l'idée. Elle aurait pu être super classe avec son bouclier de centurion. Il y a un côté vraiment centurion romain assez chouette. D'ailleurs, c'est rappelé par les colonnes qu'il a au pied. Mais je pense que la figurine est ancrée au sol. Mais la photo, comme elle est montrée, bah, il fait, par rapport à d'autres custodes, il fait pas du tout élancé, il fait pas du tout guerrier, il fait court sur patte, quoi. Vraiment, j'ai beaucoup de mal avec cette figurine. Elle a été déjà très critiquée. Moi, le premier, hein, elle est en termes de sculpture, sur les détails, tout ça, vraiment, il y a ce côté centurion romain qui est vraiment super chouette. Mais, au niveau des proportions, ça va pas, quoi. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Après, peut-être qu'en vrai, ça va mieux, mais là, en photo, le pauvre, ça matche pas. Et moi, clairement, une figurine comme ça, je préfère la convertir à partir d'une figurine de Custodes déjà existant, parce que là, bah, je ne vois pas l'intégrer à une de mes armées, quoi. Vraiment, c'est dommage, parce que la figurine a l'air chouette au niveau de ses détails, mais proportionnellement, ça ne matche pas. Je suis désolé, Games, pardon, mais là, ça marche pas. Ah, et Cascade qui nous dit, elle est tellement simple quand on voit ce qu'ils peuvent sortir en figurine. Oui, c'est pas faux. Ouais, je sais pas trop. On dirait qu'il joue dans AOS. Oui, ça pourrait l'être. Ça pourrait l'être. Effectivement, avec l'équipement en plus, ça pourrait être ça. Et on dirait une figurine dans l'ancienne figurine. Bah, c'est la question que je me suis posée.
si c'était pas un sculpte qu'ils avaient repris et retravaillé parce que c'était un concept qui avait été mis de côté, je sais pas. Parce que là, clairement, ça matche pas. Par rapport aux Alarus qui sont très très grands, et même le Custodes, le Warden, avec sa grande cape rouge, bah là, enfin sa grande jupe rouge, pardon, là il va faire vraiment petit petit quoi. À partir d'un Stormcast, la conversion de Custo. Bah oui, carrément, hein, oui, à partir d'un Stormcast, ça peut rentrer très bien avec les généraux Stormcast qui existent. Il y a de quoi faire une figurine assez chouette. Si ça se trouve, il pourrait faire un héros dans la nouvelle faction Squat. Alors, c'est les Votan, et non, je ne le veux pas dans mon armée Votan. Il ne va pas. Il n'est pas assez nain pour ça. Nain dans l'attitude avec la barbe et tout ça. Allez, passons à la suite. Et Shatterpoint, et comme d'habitude avec Shatterpoint, le thé me fait des misères. C'est une habitude avec. Je peux le tester 1000 fois, j'ai réduit l'écriture, tout ça, mais systématiquement, le thé me fait des misères sur Shatterpoint. Donc, Shatterpoint, le jeu Star Wars nouveau, dirons-nous, de chez Atomic Mass, qui maintenant a plusieurs mois au compteur. De mémoire, il est sorti en juin 2023. Et. On va pas se mentir, Atomic Mass, ils ont pas chômé. Je l'avais déjà dit dans l'émission précédente, mais encore une fois, ils le prouvent. Ils le prouvent avec de nouvelles annonces. Là, on a l'arrivée de la Bad Batch. Alors, pour ceux qui suivent Disney+, ou tout du moins l'univers étendu Star Wars, Bad Batch, c'est la suite directe de l'animé Clone Wars. Avec une unité spécifique de clones. On va dire clones déviants, c'est-à-dire qu'ils ont des spécificités, ils ne répondent pas aux normes des autres clones, et c'est une équipe de commando. Et bah, du coup, on va avoir dans Shatterpoint la Bad Batch, donc cette équipe de commando clone, en version post-ordre 66. Voilà, je ne m'avancerai pas plus parce que je ne connais pas, je n'ai pas encore étudié leurs règles du tout, et Marco, dans son émission sur Shatterpoint, en parlera 1000 fois mieux que moi. Et j'ai pas regardé la série plus que ça, donc malheureusement, je ne pourrais pas rentrer dans les détails, mais il faut leur reconnaître un truc, c'est que c'est cool déjà, un, qu'on ait cette sortie-là, et les figurines sont très très chouettes. Des visuels que j'ai pu voir de la série Bad Batch, ça correspond vraiment, et ça c'est cool. Wa qui nous dit, j'ai lâché l'anime dans saison 1, je le trouvais trop prévisible, je devinais la suite à chaque fois. Je ne me prononcerai pas, ne l'ayant pas vu, je ne me prononcerai pas là-dessus. Voilà, alors petit tacle à la PC, hein. Non, c'est pas gentil, c'est pas vrai, c'est pas ça qui a fait repousser ses cheveux. C'est pas Marco, mais Marco le Hutt. Oui, mais les gens ne comprendront pas. Pour ça, il faudrait qu'ils aillent voir le Let's Play Star Wars, justement fait avec Aventurier des Jeux comme MJ, pour comprendre la référence. Pour comprendre la référence. Oh, c'est la suite, toujours sur Shatterpoint. Avec l'escouade Inferno. Alors là, bah, là j'étais un peu foufou, je vous avouerai que. J'ai assez hâte qu'elle sorte. Bon, ça fait quand même beaucoup de boîtes Shatterpoint où j'ai assez hâte que ça sorte. Hein. Il y a Mando là que j'attends avec impatience. Mais là, l'escouade Inferno, elle est super classe. Super classe. Et c'est cool de voir ça aussi, une unité de l'univers étendu, qui plus est un jeu vidéo qui arrive sur Shatterpoint. Là aussi, j'ai pas regardé les règles, je vous avoue. Voilà, mais l'escouade Inferno, ça fait plaisir de l'avoir arrivé. Sur Shatterpoint, en plus, elle correspond très bien avec le style de jeu escarmouche petite bande. Non, non, c'est une très très bonne news de voir l'escouade Inferno arriver. C'est vrai que j'étais assez hypé quand ça a été annoncé. Shatterpoint, on continue, parce qu'on n'a pas chômé. Et je pense que quand on va avoir là des petits codes, on va avoir beaucoup d'annonces aussi. Mais on va avoir. Alors, j'ai récupéré les photos qui ont été prises vite fait pendant les annonces. Atomic Mass, on va avoir un nouveau pack de scénarios qui apparemment, et là c'est, je suis très déçu si c'est le cas, ne contiendra qu'une seule mission avec trois luttes possibles. C'est ce qu'on m'a dit. Maintenant, je mettrai pas ma main au feu que ce soit bien ça. Je ne pense pas et je ne l'espère pas parce que si c'est juste un pack avec un scénario et trois luttes possibles, je trouve ça très dommage. Très dommage parce qu'on va payer ça quoi. 20 euros, puisque c'est 19,99 $. Pour juste une mission et trois luttes, on va pas aller bien bien loin. Et ça serait hyper dommage que là Atomic Mass aurait loupé son coup. Même si je comprends l'idée d'un pack dédié à un événement précis de l'univers de Star Wars, d'accord, mais peut-être plus sur plusieurs missions de plusieurs films ou une période, je sais pas. Là, malheureusement, si c'est qu'une mission, moi je ne serais pas du tout client.
Parce que ça fait cher pour juste une émission, quoi. Mais c'était pas les seules annonces. On a l'arrivée, toujours, excusez-moi pour la qualité des photos, c'est des photos récupérées, des photos prises en paparazzi des gens. On a l'arrivée de l'équipage du Ghost, avec tout son équipage. Si, comme moi, vous avez suivi Rebels et la série Ahsoka, vous les connaissez. L'équipage du Ghost, avec Hera Syndulla, Kanan Jarrus, Sabine Wren, Ezra Bridger, et j'ai plus le nom de tous les Chopper, et je n'ai plus le nom de Zeb, je crois que c'est Zeb, le dernier membre de l'équipage. Donc des rebelles d'Otal, justement. Et super équipe, alors on aura deux boîtes différentes pour avoir l'équipage complet du Ghost. Mais ça veut dire que si on a deux boîtes, on avait deux leaders, donc je pense qu'on aura Hera et Kanan Jarrus en leader, et on pourra jouer du coup l'entièreté de l'équipage du Ghost sur le terrain. Et ça, je trouve ça très très cool. Même si ça fait acheter deux boîtes, c'est quand même très sympa de pouvoir avoir cette possibilité-là de pouvoir jouer l'équipe au complet ensemble. Du coup, l'autre photo. Ah, j'ai loupé mon effet puisque je croyais avoir mis l'autre photo juste à la suite. Et non, je me suis loupé. C'est les aléas des PowerPoint. Mais du coup, je montrerai juste après du coup, le reste de l'équipage du Ghost. Puisque la dernière boîte qui a été annoncée lors des dernières annonces d'Atomic Mass, c'est du coup la partie quand la bataille d'Endor avec Han Solo, Chewie et des rebelles. On avait déjà Leia et les Ewoks. Du coup, maintenant, on va avoir Han et Chewie. Donc, très très cool. On raccroche les wagons au niveau de la partie guerre civile galactique. Donc, c'est une très bonne chose. Je voulais voir arriver. Alors, je suis très très fan d'Han Solo et de Chewie. J'attends quand même de voir les figurines parce que je tique un peu sur Chewbacca au niveau du visage. J'attends de voir en vrai avec une photo de meilleure qualité. Mais voilà, c'est très cool. Ça veut dire qu'on va pouvoir vraiment refaire la bataille d'Endor. J'attends de voir s'ils vont aussi faire Hoth et peut-être Yavin, mais Yavin, c'est pas passé grand-chose. Il faudrait aller taper dans l'univers étendu, à voir ce qu'ils vont faire. Voilà, mais si on tend vraiment à commencer à rentrer dans la guerre civile galactique, on peut s'attendre à voir arriver aussi l'équipe Rogue One. Et je vous avouerai que l'équipe Rogue One, j'ai assez hâte de la voir, parce que j'ai énormément, énormément adoré le film. Voilà, alors on passe à la suite, je vais regarder vite fait ce que nous dit Wag, parce qu'il est extrêmement productif ce soir en termes d'écriture, il écrit plus vite que son nom. Il me dit à propos du pack de cartes, si ça avait été GV, il te l'aurait vendu sous forme de bouquin à 72 euros, l'un compris dans une trilogie, avec du pseudo-lore écrit par ChatGPT. Oh, t'es rude, il n'aurait coûté que 42,50. Est-ce que tu peux zoomer sur les persos iconiques? Non, malheureusement, non. J'ai essayé et ça donnait un truc pixelisé encore plus dégueulasse. J'ai fait au mieux avec les photos que j'ai réussi à récupérer. Si tu avais dit que tu aimais pas Han Solo et Chewie, je pense que Mathieu t'aurait retiré de AJS. Ah non, mais j'aime Han Solo et Chewie, mais je les aime surtout pour le Faucon Millenium. Je suis un gros fan du Faucon Millenium. Bon, et puis d'Harrison Ford aussi. Harrison Ford, best Han Solo ever. Ah ben non, ben j'ai oublié de mettre les photos, dites-vous, dites donc, j'ai oublié de mettre les photos du reste de l'équipage du Ghost. Eh bien, déshonneur sur moi. Ou alors c'est en bidouillant mon PowerPoint hier soir que j'ai fait une bêtise. Peut-être, peut-être, peut-être. On peut en douter. Voilà. Bon, ben, du coup, on n'aura pas de photos du reste de l'équipage du Ghost, mais vous inquiétez pas, dès que j'aurai des photos de meilleure qualité et qu'on aura une annonce un peu plus structurée, Marco se fera une joie de vous en parler, de vous les montrer, et peut-être, imaginons, je ne sais pas, s'il veut, s'il le sent, faire un tactica dessus, ce qui me ferait très plaisir alors qu'il fasse un tactica spécifiquement sur l'équipage du Ghost, juste parce que c'est l'équipage du Ghost. Voilà, mais voilà, il vous fera des plus jolies photos quand il en aura l'occasion. Certainement dans une émission, dans un live Shatterpoint. Passons à la suite. Passons à la suite, et on va parler de Conquest. Conquest qui est mon jeu préféré à moi, enfin, en tout cas mon jeu préféré du moment, parce que j'aime tous les jeux, mais le Conquest particulièrement, notamment pour ses mécaniques et son esthétique. Et on avait eu la sortie assez récente, en tout cas l'annonce assez récente, des Rois Sorciers, donc nouvelle faction pour Conquest. Et ben il nous annonce des nouveautés déjà, des nouveautés, avec une figurine de monstre magnifique, mais sublime. Franchement, j'adore cette créature, elle est juste génial, et juste d'enfer, on voit qu'il y a d'autres options de tête, elle est vraiment géniale. Il y a vraiment cette esthétique à la fois arabique et à la fois hindoue, enfin perse et hindoue, qui est vraiment sublime,
Et toujours reste de la gamme des rois sorciers et sur ce thème-là, mais vraiment cette figurine, j'adore, notamment avec l'effet un peu collerette à l'arrière, qu'on retrouve pas mal sur les dieux hindous. Hein, la figurine est super chouette. Ah, ce chat et Conquest, j'aurais pensé à Duel Alchemy. Ah, tu me devances, mais c'est vrai qu'il y a un côté chimère. Le sujet de tout à l'heure, donc oui, effectivement, il y a un côté. Après, dès qu'on commence à parler de rois et de sorciers et tout ça, l'alchimie, pour ceux qui ont vu Fullmetal Alchemist, hein, vous voyez de la scène à laquelle je parle. Dès qu'on mixe animaux et humains, on peut vite avoir quelque chose qui se ressemble. D'ailleurs, j'en profite très rapidement, puisqu'on parle de Conquest et de ses nouveautés. Conquest. Et comme d'ailleurs 40K, AOS, Shatterpoint et MCP, vous pouvez le retrouver sur le partenaire d'entre-jeux studio MaxiRev, donc MaxiRev qui est notre partenaire chez AJS. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site déjà, parce que le site, il y a plein de choses, vous pourrez trouver pas mal de matériel sur pas mal de jeux. Mais aussi et surtout, si vous créez un compte sur MaxiRev et que vous dites que vous venez de la part d'entre-jeux studio, hein, vous envoyez un petit mail gentil en disant coucou, je viens de l'émission Entre deux guerres ou de l'émission de Guillaume, Marco, Clément, vous aurez une réduction supplémentaire sur certains produits qui peut aller de 10 à 15% selon les produits. Je n'ai plus la liste entière en tête, mais voilà, c'est toujours intéressant si vous vous lancez dans un jeu 40K AOS d'avoir une réduction en plus. Shatterpoint, il y a déjà des promos intéressantes, et sur Conquest, avec la sortie des boîtes anniversaire, du 5e anniversaire. MaxiRev a fait des très très bonnes promos, donc si vous voulez vraiment vous lancer dans le jeu, c'est le moment parce que les prix sont assez attractifs. Voilà, c'était la petite minute parenthèse à propos de notre partenaire MaxiRev. Voilà, moi alors, je vous en parle puisque moi je suis client chez MaxiRev déjà de base, mais même avant d'être chez Entrejeux Studio, donc j'aime beaucoup ce qu'ils font, notamment pendant la période Covid où ils ont à fond soutenu la communauté Asoyaf, et étant un gros amateur d'Asoyaf. Pour ça, je les en remercie, c'est pour ça que je suis content de les soutenir. On va poursuivre notre émission, du coup, après cette interlude actuelle. J'en profite pour lire ce que me dit Wag, parce que tu écris trop vite, Wag, mais merci d'être là. J'ai dit jamais un hindou qui tue les mix perso hindou, il pourrait mal le prendre. Ah, mais je l'aurais pas dit, tu vois, c'est l'esthétique. Je n'aurais pas dit qu'il y a un mix, c'est une esthétique qu'on peut retrouver dans les deux cultures. Les flammes ont l'air d'avoir un espace, ça fait comme si elles avaient été collées par-dessus. Oui, en effet, mais je pense que ça doit être ça. Ou alors c'est l'angle de la photo ou la peinture, parce qu'avec l'effet peut-être de lumière de la peinture, un peu effet OSL, ça doit être ça. Je ne sais pas. Mais ouais, effectivement, il y a peut-être de ça, j'avais pas remarqué, tu fais bien de me le faire remarquer. Donc un autre visuel du monstre, donc je pense qu'on va avoir deux options, une avec la tête de tigre et l'autre avec le full arm. Donc je pense qu'on aura une version un peu plus sorcellerie, une version plus corps à corps. Et effectivement, maintenant que tu le dis, on voit l'interstice au niveau des flammes. Après, rien d'extraordinaire, je pense que ça peut se colmater avec un chouïa de green stuff, à voir en vrai, à voir en vrai. Le chat sera certainement le truc qu'on verra le plus. Oui, il a beaucoup de charisme, il est vraiment très très chouette, j'aime beaucoup. Même si la version djinn, parce que là il y a un côté un peu djinn arabique, est assez chouette avec ses quatre lames là, il est très très cool. Toujours sur Conquest et les rois sorciers, on a un nouveau héros qui a été annoncé, le Raj. Donc un héros sorcier, un général sorcier. Pour les rois sorciers, c'est logique. Mais comparativement aux héros qu'on a eu précédemment qui étaient soit plus guerrier, soit plus magicien. Là, il a l'air d'allier les deux, donc je pense qu'on aura un héros qui fait pas trop mal du corps à corps, pas trop mal de la magie, un peu entre les deux, qui sera un meneur au milieu de la mêlée, mais sans être excellent dans les deux, donc ce qui sera toujours utile pour accompagner vos troupes. En deuxième héros, pas en signe de guerre, je pense pas, j'ai pas encore vu ces règles, mais je pense plus en soutien, en second héros. Voilà. La figurine assez chouette là aussi, hein. Bon, je vais pas être trop dithyrambique, mais gros travail. Là par contre, on voit bien que la flamme a été bien intégrée au reste et qu'elle est vraiment pensée dans la sculpture. Et je trouve ça assez cool avec cette flamme et cette épée. Il y a un côté très janissaire de l'époque byzantine, avec un petit mix avec les soldats d'élite de Salah ad-Din. Donc franchement, j'aime beaucoup
La figurine, elle a beaucoup de charisme. C'est vrai que les rois sorciers me plaisent beaucoup dans leur esthétique. Je sais pas si leur gameplay me plairait, parce que bon, je suis sur les Dwagons quand même. Et même les Dwagons avec ce style un peu on est des cubes, on est des briques, on avance. J'ai un peu de mal. Mais visuellement, je trouve l'armée des rois sorciers vraiment géniale. Et vraiment, elle me fait hésiter sur mes Dwagons. Passons à la suite si vous voulez bien. Et parlons du sujet long format de ce soir, en l'occurrence, alchimie. Alors, je vais vous poser une question dans le chat, et même vous pourrez le dire en commentaire lors de la rediffusion YouTube. Alchimie, est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous connaissiez déjà avant l'émission de ce soir ou avant la visualisation de cette vidéo? Est-ce que vous connaissiez avant alchimie? Oui ou non, je vous laisse me dire ça dans le chat très rapidement. Ça, j'en profite pour vous faire un effet un peu alchimique avec la fumée. Alors, pendant que je vous laisse écrire, Alchemy, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu, on connaît Nico ou le bot, on n'a jamais su qui est qui. Alchemy, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu français, déjà, Cocorico, qui a maintenant 15 ans. C'est un jeu quand même qui a une bonne longévité. Je crois que ça en fait un des vieux jeu FR actuellement puisque TGCM a 10 ans, donc oui c'est ça, qu'Alchimie 15 ans, je crois que c'est le plus vieux jeu français avec figurines qu'on ait actuellement. Et Alchimie, alors, a connu des hauts et des bas, faut le dire, hein. Il y a eu trois changements d'éditeur. Voilà, actuellement il est tenu par des passionnés qui écument tous les salons de France. Je crois que je ne vois pas une seule fois dans l'année un salon où ils sont pas annoncés avec un stand. Donc déjà, ils sont motivés, ils aiment leur jeu, ça se sent, déjà dans leurs interviews, dans leur travail, mais aussi dans le fait de parcourir la France entière pour le faire découvrir. Et Alchemy, c'est aussi une communauté de passionnés sur toute la France qui joue bien, puisqu'il y a, je crois, quasiment un tournoi par week-end Alchemy quelque part en France. Il y a de quoi dire que, enfin, faut le dire, c'est quand même beau, une gamme qui a 15 ans d'un jeu français qui continue à exister, qui a connu des hauts débats, mais qui continue à exister avec autant d'amour et de passion, c'est assez assez beau. Et je trouve ça très chouette, l'investissement qui est fait par l'éditeur. Et le travail qui est fait pour faire vivre le jeu. Voilà, si vous êtes sur Facebook, vous connaissez les annonces du vendredi de la page Facebook Alchemy, où ils vont vous dire les news, les vidéos YouTube qui parlent du jeu, les tournois, les salons dans lesquels ils seront, etc. etc. Avec un travail de Nico, pour ceux qui se souviennent de l'époque des forums, je crois que c'était Nico le Blond à l'époque, qui fait sa communication et prévient tout le monde, sa communauté, de. Il y a tout ça, il y a vraiment un investissement vis-à-vis de la communauté qui montre que c'est un jeu tenu par des passionnés qui le font pour des passionnés. Et ça, c'est très très cool. Et Alchemy, c'est aussi un design. C'est des figurines, certes, qui peuvent être un peu vieillottes pour certaines, même si la gamme a été quand même pas mal retravaillée, refaite, tout ça, un peu vieillottes, mais qui en soi sont pas déconnantes. 15 ans plus tard, il y a des figurines, elles sont encore très très chouettes. Hein. Vraiment, il y a des figurines encore très très chouettes. La résine est de bonne qualité pour en avoir à la maison de l'alchimie et en avoir peint. La sculpture et la résine est vraiment top. Voilà, donc on n'est pas sur une production plastique, hein, voilà, je tiens à le préciser. Après, c'est un jeu d'escarmouche, hein, donc on n'a pas besoin de beaucoup de figurines. De mémoire, c'est une dizaine de figurines sur map par équipe, et encore, je crois que 10 figurines, on est déjà sur de l'équipe un peu populeuse. Mais voilà, Alchemy, c'est tout ça. Maintenant, Alchemy, c'est aussi un lore. Je vais vous le résumer assez rapidement, mais je vous invite très, très, très sincèrement. Si vous êtes des gens qui, comme moi, aimez la lecture et aimez les histoires qu'on nous narre, qu'on nous raconte, allez sur le site d'Alchemy, vraiment, et allez voir le lore du jeu. Puisque c'est un lore de 15 ans que là, qui a été résumé assez récemment, pour qu'il soit condensé, mais c'est un lore de 15 ans quand même, hein, donc ça fait beaucoup avec ces peuples, ces régions, ces contrées.
ces contes et légendes et ces histoires. Et vraiment, ça, il vaut le coup d'être lu. Je vais vous le résumer pour vous donner envie d'aller le lire. En fait, Alchemy se passe dans le monde de Monrea. Monrea a été créée par une entité qu'on appelle Elle. Elle a créé Monrea, mais elle sans kikiner, donc elle a créé quatre architectes. Et elle leur a dit à ces quatre architectes, maintenant vous faites ce que vous voulez, vous modelez le monde, et je reviendrai plus tard voir ce que vous avez fait. Les quatre architectes se sont lancés dans la fresque. Donc, ils ont modelé le monde sur cette immense fresque, et ils ont créé les saisons, ils ont créé un peu les différents éléments qui vont composer ce monde, mais ils ont fait une bêtise. Ils ont fait une bêtise. Elle, quand elle était revenue, a décrété qu'ils ont fait une bêtise et a détruit la fresque. Et les quatre architectes ont été bannis sur Monrea. Et de leur bannissement sont nées les différentes races qui peuplent Monrea, donc les hommes, les Khaleesi, donc les hommes félins, et les Orlocs, les hommes crapauds. Mais il y a une cinquième entité, née de la colère de Hel, qui s'est un peu insinuée dans le monde, qui un peu représente la colère et la haine. Je vous en dirai pas plus. Le seul détail que je vous donnerai, c'est que les éclats de la fresque existent toujours, et c'est de là que sont tirés les pouvoirs alchimiques, plus ou moins, dans l'univers d'Alchimie. Parce que oui, dans cet univers, on va vouloir jouer des sorciers, des alchimistes, qui ont pour but, sur le terrain, d'aller remplir des missions, mais aussi balancer des sorts, faire des rituels, tout ça. Enfin, l'idée, c'est que l'alchimiste est un peu le gars le plus puissant de votre bande, en tout cas qui va mettre des mandales magiques un peu partout. Je vais faire une parenthèse, parce qu'il y a Ben qui écrit dans le chat, et Ben est illustrateur sur pas mal de projets Alchemy, donc on a la chance de l'avoir avec nous, donc je vais dire ce qu'il nous dit. Il nous dit qu'il y aurait un livre qui est sorti sur le monde de Monrea et il y aura une suite. Donc, raison de plus d'aller sur le site d'Alchemy pour voir ce qu'il en est. Déjà, pour vous, pour lire ce qui existe déjà sur le site. Et si ça vous branche, vous prendre le livre. Parce que je pense que ça va être intéressant à étudier et à lire si vous aimez les bonnes lectures, je pense. Parce que moi, j'ai apprécié vraiment lire le fleuve. Je me suis dit, je vais lire complètement le background d'Alchemy pour pouvoir vous en faire un résumé. Je me suis dit, non, ça serait dommage de vous enlever le plaisir de la lecture qui m'a apporté à moi. Voilà, je vous le résume rapidement. Mais vraiment, moi, il m'a apporté du plaisir à le lire, donc je vous laisse le découvrir pour que vous ayez aussi ce plaisir-là de le lire. Pour en revenir à Alchemy et au jeu en lui-même, donc à la mécanique du jeu, il est assez intéressant, parce que déjà, bon, on oublie les codex et tout le tintouin, les figurines, vous les achetez avec leurs propres cartes. Sur les cartes, vous allez avoir tout ce qu'il faut pour jouer votre figurine. Que ce soit son nom, son statut, est-ce que c'est un commandant, un alchimiste, un guerrier de base, ou qu'est-ce. Ces règles spéciales que vous allez retrouver en résumé devant la carte et au dos, vous aurez l'explication. Et on va surtout retrouver les caractéristiques de la figurine. Ce qui est bien dans Alchemy, c'est qu'il n'y en a pas 500 000 des caractéristiques. Il y a le réflexe qui va servir à déterminer l'initiative au combat et certains autres éléments du jeu. L'équivalent de l'esprit qui va permettre de résister à la terreur et à tout comme ça et à la prise d'initiative en début de partie. Le combat et la défense. Point. Voilà, c'est les quatre caractéristiques. Elles sont assez succinctes et assez basiques. On va retrouver en dessous une caractéristique qui correspond au mouvement de base, à la course et à la charge. À la charge et à la course, pardon, dans l'ordre. Et le tout dernier élément qu'on va avoir, ce sont les points d'action. Puisque à chaque fois qu'une figurine dans l'alchimie doit faire une action, que ce soit en phase offensive ou en phase défensive, ça va lui coûter des points d'action. Autant vous dire qu'une figurine qui n'a plus de points d'action, c'est une figurine qui peut se faire poutrer assez facilement, corps à corps. Elle aura moins d'options pour se défendre. Bon. Ces points d'action, il y a les actions basiques de mouvement, de combat, tout ça qui coûte un PA, il y a juste la course qui coûte 2 points d'action. Et les règles spéciales, bien sûr, vont coûter aussi des points d'action pour permettre de déclencher certains effets. Le point très très spécifique du jeu et que moi je trouve super chouette, c'est que une figurine, plus elle est blessée, moins bien elle se bat. C'est une réalité. Vous avez tous vu des films d'Heroic Fantasy, de SF, ou lu des livres dans ce sens, ou même joué tout simplement à un jeu comme Donjons et Dragons, voilà, un jeu de rôle.
vous êtes blessé, vous battez moins bien. Et bien dans l'alchimie, c'est encore plus concret, c'est-à-dire que vous avez des dés spécifiques de trois couleurs, blanc, jaune et rouge, et en fait, ça va correspondre à la barre de vie de votre figurine. Tant que vous êtes, toutes vos cases sont décochées, vous utilisez vos dés blancs, qui sont les dés qui vont jusqu'à 6 finalement. Une fois que vous avez plus de cases blanches, passant de cases jaunes, vous ne pouvez plus utiliser que des jaunes. Et pareil, en dés rouges. Et quand vous avez plus de points rouges, vous êtes mort. Voilà, votre figurine est hors jeu. Les dés sont modifiés du coup, puisqu'on a, on va de 1 à 6 avec les dés blancs, de 1 à 5 avec les dés jaunes, et de 1 à 4 avec les dés rouges. Et les symboles aussi sont modifiés, parce que oui, les dés ont des chiffres, mais aussi des symboles. La combinaison, quand vous battez au corps à corps, la combinaison des symboles va vous donner sur un petit tableau présent sur la carte. Donc c'est pas un truc énorme, hein, c'est vraiment une carte, c'est une carte à jouer classique, de cartes, de paquet de 52 cartes. Donc c'est vraiment assez petit. Donc le tableau est pas énorme non plus, hein, c'est pas un truc extraordinaire. Vous allez avoir en fonction de l'association des symboles des dés, la valeur de dégâts que vous allez faire sur la figurine adverse. Sachant que voilà, il y a trois symboles, les épées, la hache et la masse. Donc voilà, vous voyez, c'est finalement assez simple, sachant que dans Alchimie, on jette rarement plus de 2 dés pour établir une action, notamment de corps à corps. Et il faut égaler et surtout surpasser la valeur de défense de votre adversaire. C'est assez classique ça, avec les 2d6 plus votre valeur d'attaque. C'est très classique. Voilà. Mais du coup, vous vous rendez compte que plus vous êtes blessé, moins vous avez de possibilités de jeter de dés, et donc moins vous pouvez blesser un adversaire puissant. Parce qu'en plus, les dégâts avec les associations de dés, en termes de dégâts, ça chiffre assez vite. Hein. Mine de rien, j'ai regardé un peu mes cartes avant de prendre l'émission, ça peut vite être létal. Précision faite de ce point-là, c'est, on va dire, c'est vraiment les dés qu'on va retrouver spécifiquement au jeu maintenant. Ils se trouvent facilement dans les starters de joueurs et qui proposent deux bandes quand même assez conséquentes, ou tout simplement avec l'achat de matériel qui s'accompagne avec un maître ruban, des règles, des cartes de mission et ce genre de choses-là. En parlant de cartes de mission, il faut savoir une chose, c'est que chaque joueur a 5 cartes de combat en main qu'il peut utiliser pour en mode bluff et pari pour influencer le combat de sa figurine. Ça va de faire une grosse attaque bien lourde pour fracasser des boucliers à être plus dans l'esquive et la vitesse pour éviter de se faire toucher ou taper plus rapidement. Donc c'est un système un peu de poker et de bluff pour savoir qui va frapper, va taper en premier ou faire plus de dégâts. Alors, je reprends une phrase que dit Wag, mais quand est-ce que tu hurles alchimie? Alors, je vais pas hurler alchimie parce que mon fils dort et je n'ai pas envie de le réveiller. Pour répondre à alors Ben. Oui, Ben, effectivement, Wad me le précise aussi. Ben est un illustrateur et travaille avec Alchemy. Oui, voilà. Oula, oui, donc ça parle un peu médecine, travail, tout ça. Oula, vous m'avez perdu, les gars. Vous m'avez perdu, les gars. Oulala. Me perdez pas comme ça. Voilà, donc pour le résumé des règles, je vais quitter le chat 2 secondes parce que c'est ça part. Hein. Ça va dans tous les sens. Voilà, pour le résumé très succinct des règles, en même temps, le résumé que je vous ai fait, je crois que je vous ai expliqué l'intégralité des règles. Hein. Vous voyez, c'est pas un jeu très compliqué à expliquer. Il est simple, mais pas simpliste. C'est-à-dire que, en termes de combinaison sur le terrain avec les figurines, les attaques spéciales des figurines de votre équipe, avec certaines synergies, tout ça, il y a quand même des choses à faire qui sont pas inintéressantes sur le plan tactique et stratégique. Et comme c'est un jeu d'escarmouche, c'est une petite map, avec pas non plus 10 000 décors à avoir, et un jeu assez rapide. Voilà. Là-dessus, je vous laisserai le découvrir. En plus, les vidéos Alchemy de rapport de bataille, l'éditeur en fait. Donc vous pouvez très bien aller sur la page Facebook ou directement la chaîne YouTube Alchemy, comme c'est décrit à l'écran ici, et vous retrouvez tous les éléments pour voir à quoi ça ressemble une partie de ça un peu plus en détail. Et puis même si vous êtes au détour d'un salon, allez faire un tour, allez discuter avec eux, parce qu'en plus c'est l'occasion de se mettre plein les mirettes, car oui, ils ont des vitrines avec toutes les figurines de la gamme, ainsi que des portfolios avec des artworks, et ça c'est génial, si vous voulez vous régaler les yeux, allez voir leur stand, et n'hésitez pas à discuter avec eux et faire une démo, vous allez voir, c'est très simple et c'est très chouette, parce que vraiment, pour l'avoir fait moi en salon, c'est des vrais passionnés, et quand ils vous font une démo, même si c'est la Xème qu'ils font dans le salon, ils se régalent toujours autant à faire découvrir leur jeu. Je vous invite vraiment, si vous êtes un jour en salon et que vous les voyez, à vous arrêter,
regarder ce qu'ils font et à tester. Mais on va revenir au sujet qui nous intéresse, qui est en l'occurrence la nouvelle faction. Car oui, un jeu qui a plus de 15 ans, c'est pas les factions qui lui manquent. Hein. Entre la triade de Jade, les Orlocs, le temple d'Albion, enfin Avalon, pardon, le temple d'Avalon c'est une sous-faction, les Calimis, pardon, je vais y arriver, les pénitenciers, les évadés du pénitencier du Croc de la Dent, je crois que c'est ça leur nom, ça y est, j'ai un trou de mémoire. On avait déjà 5 factions, il y en a eu d'autres qui sont apparues avec des sous-factions, tout ça, tout ça, tout ça. On a une nouvelle faction qui est arrivée, les Nashtis. Alors, je sais plus le nom. Ah, ça y est, les Rados aussi, qui est une autre faction. On a un nouveau crowdfunding qui arrive demain, le 15 mars, pour une nouvelle faction qui est les Chimères, les peuples Chimères. Nouvelle faction pour les Caliman. Merci Ben, merci. Donc, je trouve quelqu'un ici. C'est les Caliman, les hommes chats, les hommes félins, c'est les Caliman. Et 5 ans les Rados, oui, ben je suis à la traîne, tu as raison Ben, honte sur moi, c'est 5 ans les Rados. Donc, voilà. Donc il y a quand même mal de factions, et du coup, une nouvelle, les peuples chimères. En crowdfunding. Donc c'est pas leur premier crowdfunding chez Alchemy, donc on sait déjà leur sérieux sur le sujet. Donc c'est pour ça aussi que je vous en parle. Moi, niveau Kickstarter et crowdfunding en général, je suis assez réticent, je pledge très très peu, ou alors sur des trucs très précis, et si et seulement si je connais... on va dire, la marque, ou en tout du moins, l'éditeur, si j'ai discuté avec lui, tout ça, à titre personnel, sur le jeu de rôle, je pledge toujours, quasiment toujours sur la Loutre Rollist, parce que l'éditeur de la Loutre Rollist, je le connais bien, c'est à force, c'est devenu un copain, en fait, donc je le suis, voilà, mais sinon, je suis très réticent au Kickstarter, j'en parle très peu, même moi, parce que je n'aime pas ça, en tout cas, la dérive qu'a donné le Kickstarter, je n'aime pas ça. Mais du coup, Alchemy, là en l'occurrence, j'ai vu leur boulot, j'ai vu qu'ils étaient sérieux, au même titre que TGCM, c'est des trucs où je dis, ok, on peut y aller, ils sont cool, ils sont réglo. Et donc, les peuples chimères, je vais vous montrer quelques visuels qui nous ont déjà teasés. On a une manticore que je trouve, alors, elle a un côté un peu à l'ancienne, cette manticore, un peu fantasmagorique, mais elle est très chouette, elle a un côté un peu mignon, rigolo, j'aime beaucoup la figurine, notamment avec cette langue, tout ça, alors je sais pas si c'est la peinture, en tout cas, elle a ce côté un peu rigolo, voilà, et je la trouve assez chouette, et qui va bien avec l'esthétique aussi qu'on a du jeu. On a aussi le Stridge. Alors le Stridge, c'est peut-être la figurine dont je suis le moins fan, même si je dois reconnaître que la sculpture est assez cool, avec le décor sur lequel il est posé, tout ça, elle est assez chouette, mais c'est celle dont je suis le moins fan du groupe. Hein. On a aussi l'oniromancien, alors ça faut le dire, oniromancien, je pense qu'on va beaucoup s'emmêler les pinceaux au début pour les joueurs. Et là, voilà, figurine superbe. Alors, je suis, par contre, c'est elle ma préférée. Elle ma préférée, ce côté sorcière... avec les voluptes de la robe, mais on ne sait pas si c'est sa robe, si c'est des plumes ou quoi, ou qu'est-ce, avec ce côté un peu sans visage, pour ceux qui connaissent le labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro, le film, un des méchants avec ses yeux dans les mains, qui est assez flippant, il y a un peu ce côté-là en plus sympathique, en plus joli. On retrouve aussi, pareil, dans Hellboy 2, celle qui sauve, l'espèce de déesse qui sauve la vie d'Hellboy, un peu ce côté-là aussi, voilà. Et j'aime beaucoup, beaucoup son design, elle est très, très, très chouette, c'est vraiment, et puis elle donne envie d'être peinte. Je pense que c'est une figurine, d'ailleurs, qu'on risque de retrouver en concours de peinture, parce que, vraiment, elle a plusieurs textures à travailler, ça, parce qu'on ne sait pas si c'est des cornes ou des bijoux qu'elle a sur la tête. Donc, pareil, pour du non-métallique métal, à fusionner avec de la corne, tout ça, je pense que c'est une figurine qu'on peut retrouver en concours de peinture, parce qu'elle est vraiment très, très belle. Quatrième figurine de ce groupe qui nous a été présenté, c'est le Fury. Le Fury qui est assez chouette avec ce côté un peu roi singe des légendes un peu chinoises, et en même temps un peu cauchemardesque avec ses dents pointues de vampire. Pareil, assez chouette. J'aime beaucoup aussi. Voilà, il y a une esthétique aussi, il y a un design. On sent la force brute et primale. De cette chimère, donc voilà, très très chouette. Je veux pas vous spoiler quand même trop le Kickstarter et ce qu'il va y avoir. Je pense qu'on va avoir beaucoup beaucoup de choses demain,
Donc c'est sur Game on Tabletop. Donc voilà, qui de toute façon Game on Tabletop. Je le mettrai dans la description, le lien vers le crowdfunding dans la description de la rediffusion, mais vous pouvez le retrouver très facilement soit sur Game on Tabletop, soit directement sur la page Facebook Alchemy, puisqu'ils communiqueront demain et remettront le lien, même si on l'a déjà mis, pour qu'on puisse avoir accès au crowdfunding. Donc voilà, donc on aura beaucoup d'infos là-dessus, donc je ne vais pas vous spoiler, je ne vais pas vous enlever ce plaisir, cette joie de la découverte. Ce serait un peu malvenu de ma part de faire et je vous montre tout maintenant, et donc demain quand vous n'allez pas y penser, alors que là je veille votre curiosité à vous dire, attends, il nous a montré des figurines assez chouettes. C'est quoi le lore? Parce qu'il nous en a parlé un peu, il nous a pas tout dit. Tiens, demain dans les transports en commun, si je lisais un peu le background d'Alchemy, puis tiens, est-ce que si je n'irais pas voir le crowdfunding pour voir ce qu'il en est. Donc voilà, donc clairement, une autre figurine, Fury, et même cet ensemble de figurines pour les peuples éveillés chimères, c'est leur nom exact, qui arrive demain en crowdfunding et qui vraiment ont quelque chose en plus. Alors, Alchemy. Si vous n'avez pas jamais vu les figurines, elles ont déjà quelque chose de différent. On retrouve une esthétique, bon, commune des fois à l'Heroic Fantasy en général, parce que bon, on est tous imprégnés, qu'on soit illustrateur, sculpteur ou simple joueur, de la pop culture qui nous entoure. Mais il y a un truc en plus dans l'univers d'Alchemy, dans son esthétique et dans son design qui lui est propre. On aime ou on n'aime pas, bien sûr, mais y a un truc en plus, déjà par son fluff, mais aussi par son esthétique, et là les peuples chimères en fait ils s'intègrent dans l'univers, dans le design alchimie, et en même temps ils tranchent. On voit que c'est autre chose, le peuple éveillé chimère. On voit que c'est que par rapport aux autres peuples de Monrea, c'est on est sur quelque chose de complètement différent. Voilà, donc moi j'ai assez hâte. Moi, demain, de toute façon, c'est pas compliqué. Dès que ça sort, je vais aller checker le crowdfunding, voir ce qu'il en est, voir ce qu'il en retourne. Voilà, je vais me garder la surprise jusqu'à demain. On ne me spoile pas, hein. Ben, tu ne me spoile pas, hein. Parce que je veux voir demain, je veux le lire, vraiment savoir de quoi il en retourne. J'ai d'ailleurs assez hâte, puisque Ben m'a parlé pas mal de ce projet-là, m'a dit que le crowdfunding arrivait. Voilà, j'ai attendu avant d'en parler, parce que justement, je voulais être sûr que quand est-ce qu'il était lancé, tout ça, tout ça. Donc voilà, donc maintenant, je veux garder la surprise, parce que je veux voir vraiment où va nous mener ces nouvelles figurines. Et du coup, l'avancée du feuf demande rien. J'en profite pour faire hop, un détour sur le chat. On n'a pas vu tes illustrations. Et bien en fait, j'ai pas voulu les montrer tes illustrations, même si tu m'en avais parlé, puisque je voulais quand même garder la surprise pour les gens. C'est une chose de les voir en émission, parce que je vais parler, on va m'écouter parler, on ne va pas être concentré dessus. Moi, je voulais que les gens les admirent, parce que je les ai trouvés très jolis. Et je me suis dit que si je parle et que je passe d'un diapo à l'autre, les gens pourront peut-être pas en profiter. Alors que s'ils les voient sur le game, sur le crowdfunding, ça, ils pourront zoomer, les regarder comme eux, ils l'ont envie, pour pas leur enlever le plaisir de voir ces illustrations. Parce que moi, je les ai beaucoup aimées. Et parce que comme tu me les avais envoyées, j'ai pu zoomer, tout ça, m'amuser avec, pour les regarder, les étudier, et m'éclater à les admirer. Je voulais laisser ce plaisir-là aussi aux gens de pouvoir se faire kiffer à regarder tes illustrations. Voilà. Mais oui, Ben, si vous avez l'occasion de voir ces illustrations, elles sont top. Vraiment, moi je les adore. Vas-y, nous sommes entre nous, déballe-nous tout. Non, 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 on est encore à heure de grande écoute, je ne le ferai pas. Ah, bah non, ça parle peinture. Ils n'ont pas peint les socles en gobelin green, c'est vrai, c'est vrai. Si vous nous entendez, si vous nous regardez, amis éditeurs d'Alchemy, faites-nous des figurines à socle gobelin green pour nous les vieux wargamers que nous sommes. Dada, je finis. Le sculpteur s'est détaché du design de départ, la tête est plus du félin que chimpanzé. Ouais, c'est une chimère, mais c'est vrai, tu as raison. Tu as raison. Et Ben qui nous dit allez sur la page Facebook d'Alchemy, oui, et sur la page Facebook de Ben Illustrateur, effectivement. Et je crois que Ben, tu m'arrêtes si je me trompe, mais tu as aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Ben Illustrateur, je crois bien, que je vous invite à aller voir parce que elle est très très chouette. Alors, je le dis, hein, moi j'y vais pas tous les jours parce que bon, père de famille oblige.
Quand le seul moment où je pourrais y aller, c'est le week-end, et le week-end, j'ai des choses plein de choses à faire, tout ça, tout ça, tout ça. Et c'est le moment où j'essaie d'avoir une vie un peu sociale. Donc je ne suis pas forcément sur mon téléphone ou sur mon ordinateur. Mais voilà, je vous invite à aller voir si vous avez du temps, à aller voir ce qu'est son travail. Parce que bah, maintenant, il a fait quand même mal de choses pour Alchimie. Il a fait aussi un petit dessin pour Mars Code Aurora. Voilà. Donc voilà, je vous invite à aller voir son travail. Alors, c'est Ben illustrateur pour la chaîne YouTube et il a un site internet également. Voilà, donc allez voir sur la chaîne. Mais écoute, Ben, n'hésite pas à mettre dans le chat le lien vers ta chaîne YouTube. Comme ça, les gens dans le. Qui les viewers pourront à le rejoindre. Et comme ça, moi, j'essaierai de le récupérer pour le mettre également dans la description de la rediffusion. Donc, vous allez voir, dans la rediffusion, vous allez peut-être trouver pas mal d'informations. Voilà ce que je pouvais dire sur Alchemy. Donc, n'hésitez pas dans le chat si vous voulez poser des questions. Soit à Ben, soit à moi, on y répondra avec plaisir sur Alchemy. Moi, je vous invite vraiment à aller voir ce qui a été fait. Donc déjà, Alchemy, on a un membre de l'équipe Entre Jeux Studio qui a traité d'Alchemy précédemment. Il avait fait une présentation et une expli partie. C'est Marco sur sa chaîne perso Marco et ses potes TV. Il avait fait avec bah, du coup Nico, si je me trompe pas. Il avait fait avec Nico une interview suivie d'une expli partie. Je vous invite à aller voir parce que très très chouette. Et vraiment, si vous connaissez pas Alchemy, bon déjà, allez voir le site internet et allez voir leur page Facebook. Mais si vous voyez en salon convention un stand d'Alchemy, arrêtez-vous pour aller voir les figurines et tester le jeu. Ça vaut vraiment le coup. Voilà ce que je pouvais dire sur cette annonce de crowdfunding. Un peu un teaser sur le sujet pour cette nouvelle, cette nouveau crowdfunding. Maintenant, ah, j'ai oublié les figurines. J'en étais sûr. Fallait me le dire dans le chat, j'avais oublié une figurine. J'avais bien une figurine. En fait, j'étais plus sûr. J'en avais compté plus que ça. Et j'étais pris d'un doute. Et comme si je change un diapo, vous le voyez aussi, j'étais plus sûr. Mais oui, il y avait une dernière figurine, la harpie, la renarde ailée. Voilà, je l'avais oublié celle-là. Honte sur moi. Voilà, vous ne me l'avez pas rappelé, les copains, c'est pas bien. Mais voilà, la harpie qui est la dernière figurine, en tout cas qui avait été annoncée pour l'annonce du crowdfunding. Et du coup, la suite. Eh ben la suite est en bleu. Mon effet n'a pas fonctionné. J'avais prévu un joli effet de quelque chose qui descendait avec marqué en bref. Et ça a donné un carré bleu. Voilà, je vais revoir mes montages. Ça marchait très bien quand je l'ai testé hier soir. Aucun plan ne résiste au contact de l'ennemi. La preuve en est avec ce joli carré bleu. Non, normalement, il devait y avoir un en bref qui descendait du haut de vos écrans. Eh bien, c'est pas grave, on va continuer sur ce en bref carré bleu avec les annonces pour les week-ends à venir. Car oui, je vous ai parlé de salon plusieurs fois concernant Alchemy et je me suis dit que pour l'émission de ce soir, mon en bref se concentrerait plus sur les salons à venir. Et Didiou, mes loulous, qu'on va avoir un paquet d'événements qui arrivent. Alors, déjà, un peu partout en France. On a des événements qui vont faire du bruit, qui vont localement, pour certains, c'est les premières éditions. Je pense notamment à Ludicreuse. J'ai pas pris leur affiche parce que je n'ai pas réussi à la récupérer. Mais Ludicreuse qui va avoir lieu, ce sera leur première édition, festival de jeux. Voilà. Mais on en a un bon paquet qui arrive là, entre ce week-end et la fin avril. On en a un paquet. Donc je vous ai fait une sélection de soit emblématiques, soit des salons sur lesquels je vais moi. Et je sais déjà qu'ils sont très chouettes. Alors. Donc, je me perds dans le chat, parce que je vois sur mon œil droit les commentaires des uns et des autres, j'essaie de lire en même temps que je parle, c'est pas possible. Donc, French Game Day, troisième édition, qui aura lieu ce week-end du 16 et 17 mars 2024 au Palais des Sports de Grenoble, qui couvre un paquet de jeux. Donc, déjà, il pouvait parler un paquet de jeux parce que c'est French Game Studio, Ivy, qui mène cet événement, gros événement hobby en France, troisième édition, c'est pas pour rien, c'est vraiment un événement très très chouette. Malheureusement, pour la troisième fois, je n'y serai pas. Hein, voilà, à chaque fois, il y a quelque chose qui fait que je ne peux pas y aller. Donc pour la troisième fois, je n'y serai pas, malheureusement. Un jour, j'y arriverai à y aller. Mais du coup, voilà, gros événement hobby, tournoi Warhammer 40 000, Age of Sigmar, 9e Âge, MCP, Marvel Crisis Protocol, Star Wars Légion, Tales of Rhett, Blood Bowl et Seigneur des Anneaux. En plus de ça, c'est couplé bien sûr avec
des événements autres avec des passes visiteurs pour venir découvrir les jeux, les tables, tout ça, tout ça. Donc gros, gros, gros événement au Palais des Sports de Grenoble. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à y passer. Si vous y allez déjà, éclatez-vous bien, profitez, kiffez à mort et prenez plein de jolies photos. On veut, pour ceux qui ne peuvent pas y aller, en prendre plein les mirettes. On sera super content de voir vos photos. Comment tu fais pour saisir tes factures? Tu n'arrives pas à regarder deux choses à la fois. Parce que quand je saisis mes factures, je les regarde et je tape sur mon clavier sans avoir besoin de regarder mon clavier. Ça, c'est un pouvoir que tu débloques au bout de 10 ans de comptabilité. Non, plus sérieusement, je me reconcentre sur le French Wag AMD parce que je réponds aux bêtises de Wag dans le chat. Voilà, gros événement. Si vous avez l'occasion d'y aller, kiffez. Si, comme moi, vous pouvez pas y aller, demandez aux copains de nous envoyer des photos. On a envie de kiffer avec vous, même à distance. Donc voilà, pour les French Wag AMD, donc, qui ont lieu ce week-end. Le week-end prochain, si vous êtes du côté de la région parisienne, comme moi en Île-de-France, il y a... Ah bah non, bah non. Eh bien non, si vous êtes en France et partout dans le monde, j'ai oublié, oh là là, ça y est, je perds les pédales et je perds le fil de mon émission, mon Dieu, quelle horreur. C'est l'âge, ou trop d'années dans la compta. Non, non, avant toute chose, avant de vous parler de la suite, voilà, il y a quand même un gros événement, je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a la Adepticon le 23 et 24 mars, mais plus que ça, je crois que c'est du 20 au 24 mars. Et bien sûr, Game Workshop nous a annoncé des previews en live. Dans la nuit du 20 au 21, bon, heure européenne, quoi. Puisque, bien sûr, ils sont directement depuis les États-Unis pour l'Adepticon, donc ils vont transmettre là-bas le soir à 8h, et du coup, tous les autres pays vont avoir des fuseaux horaires décalés. Donc, nous, en Europe, ça sera 4h du matin. 4h du matin en France. Bon, je pense que, comme moi, vous dormirez à 4h du matin, à moins d'être ultra motivé, mais. Moi, je pense que je vais dormir. Mais du coup, le vendredi le matin, on aura de nouvelles infos pour pas mal de jeux. Donc Warhammer 40 000, Warhammer Age of Sigmar, Warcry, Old World, Kill Team, Underworld, Horus Heresy et Necromunda. Et hormis Blood Bowl et Seigneur des Anneaux, je crois qu'il y a des annonces pour la quasi-totalité des jeux couverts par Game Workshop. Si, et il manque Légion Imperialis. Il manque Légion Imperialis, donc. On a quasiment tous les jeux qui sont couverts. Je vous mets mon billet qu'on va avoir un teaser sur Age of Sigmar pour la V4. Je suis quasiment sûr de ça. Mais assez hâte de voir ce qu'ils vont annoncer pour le reste. Donc, on a l'habitude, Game Workshop sont les habitués de ces annonces-là sur Twitch, ou tout du moins sur le Warhammer, enfin, sur Warhammer Community, mais ils transmettent depuis Twitch. Donc voilà, je pense qu'on aura des annonces assez chouettes, en tout cas, je l'espère, parce que c'est vrai qu'on a eu quelques... Events comme ça où Games nous a fait des annonces un peu basses par rapport à nos attentes et par rapport à la hype qu'ils avaient fait monter. Je pense notamment à tous les gens comme moi qui attendaient du The Old World et qui n'avaient qu'une figurine, malheureusement, à se mettre sous la dent. Mais voilà, on va voir ce qu'ils vont nous donner. Moi, je pense que en grosse annonce, on va avoir aussi l'annonce de l'arrivée des Noise Marines, puisqu'on sait qu'on a un codex mystère sur le roadmap 40K qui doit arriver cet été. Et je mets mon billet que c'est le Noise Marine, c'est l'Imperial Children. Puisque c'est le dernier des quatre grands dieux qui n'a pas sa légion dédiée en dehors du codex Spécimen du Chaos. Donc, à voir ce qu'ils vont nous annoncer. J'ai assez hâte, je vous avouerai, bon, un bon fanboy de Game Workshop que je suis, j'ai assez hâte, mais en général, ces annonces-là sont assez intéressantes et impactantes. Alors, j'en profite pour regarder ce que me dit mon cher Wag. Un kill team qui soit fun et qui coûte pas hein, en parlant de kill team. Bah, en fait, en soi, kill team, t'es pas obligé de tout acheter. Hein. Tu peux te monter ta petite kill team, jouer avec tes copains et pas te prendre la tête. Ou jouer à Mask of Aurora, puisque Mask of Aurora est mieux que kill team. Voilà, je ne vais pas me faire des copains en disant ça, je vais me faire jeter des cailloux, mais c'est pas grave, je l'ai dit, Mask of Aurora est un très bon jeu. PC qui n'a pas de temps pour peindre 500 figurines aurait été heureux avec un kill team qui marche. Mais. Dis-toi que PC peint beaucoup, hein, mine de rien. PC peint beaucoup. Et franchement, il charbonne. Hein. Non, non, ne présume de rien, Wag, ne présume de rien. Passons à la suite, passons à la suite, passons à la suite. Et du coup, revenons, raccrochons les wagons de ce que j'étais parti pour dire avant de me surprendre moi-même avec mes propres annonces que j'oublie. Passons à l'annonce, parce que le même week-end qu'on a l'Adepticon, et je pense pas que vous et moi... Oh!
J'ai eu peur, j'étais concentré dans ma truc et on a eu un follow. Merci à la personne qui m'a fait sursauter, qui est Hobby Studio 77. Merci à toi pour le follow. Et merci de m'avoir fait sursauter parce que j'étais concentré dans ce que je disais et le son m'a surpris. Donc je disais, donc, comme on aura pas l'occasion d'aller à Adepticon, je pense comme la plupart d'entre nous, on a un super salon quand même en région parisienne le même week-end, donc le 23-24, qui est, attention, les journées figurines et jeux de Sartrouville. Alors, vous allez me dire, Maxime, Sartrouville, eh ben, détrompez-vous. Détrompez-vous, parce que c'est un salon maintenant qui a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années au compteur. Hein. C'est quand même la 16e édition, donc 16 ans qu'il existe. Qui est pas un truc énorme. Hein. C'est dans un gymnase. Hein, donc, mais quand même un grand gymnase. Il accueille beaucoup de tournois, beaucoup de jeux. Alors, je sais qu'il y a du 40K, je sais qu'il y a du. L'an dernier, il y avait du Moonstone, je ne sais pas s'il y en aura, mais il y a du Conquest, il y a du Seigneur des Anneaux, du Asoyaf, il y a du Légion, enfin, niveau tournoi, il y en a quand même un bon paquet, et il y a quand même pas mal de stands. Il y a un concours de peinture qui est quand même hyper intéressant et très chouette, et il y a des démos de jeux, je sais qu'il y aura l'auteur de Pillage qui sera là pour faire la démonstration de son jeu. J'ai prévu personnellement d'aller moi avec mon livre Pillage pour me le faire dédicacer. Il y a Studio Tomahawk qui doit être là pour présenter son nouveau jeu V pour Victory, donc qui a pas mal été teasé. On a des démos Conquest qui sont prévues. Il y a des peintres et des sculpteurs de pièces de concours qui sont prévues. Il y aura normalement, si je ne me trompe pas, et Ben, arrête-moi si je me trompe, il y a Alchemy qui sera également là sur place, ainsi que TGCM pour présenter leur jeu. Donc, du coup, si vous êtes en Île-de-France et vous dites, tiens, 23-24, je vais aller à Sartrouville voir le truc, vous pourrez tester Alchemy. Et en plus, ce sera pendant le crowdfunding. Donc, en plus, c'est encore mieux parce que vous allez pouvoir voir en vrai les figurines. Puisque, en ce moment, je sais que sur les premiers salons là, de ces week-ends qui arrivent, ils vont présenter les figurines du crowdfunding en vitrine pour que vous puissiez les voir. Donc, vous êtes du côté en Île-de-France, n'hésitez pas à venir pour découvrir aussi ces figurines-là. Donc, voilà. Salon qui existe depuis longtemps et qui est quand même assez qualitatif. Voilà, l'entrée, je crois que c'est 5 euros, 8 euros avec la figurine propre à l'event. Vous avez une petite figurine en plus de votre entrée. Sinon, je crois que c'est 5 euros l'entrée pour la journée. Donc, c'est pas cher et ça permet de faire une chouette balade hobby. Voilà, et je crois qu'il reste des places pour les tournois d'ailleurs en question. Je crois que, pas pour tous, mais à regarder ou même envoyer un petit mail. Là, vous le voyez à l'écran, envoyer un petit mail aux orgas, voir savoir si vous pouvez venir faire un des tournois, s'il reste de la place ou pas. En plus, l'entrée visiteur est sous mon nez, c'est 2 euros. Donc c'est ça, c'est 8 euros avec la figurine, et sinon c'est 2 euros l'entrée simple pour un visiteur. Donc c'est pas cher, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est sympa, ça fait une bonne balade hobby, et pour un truc qui est quand même bien fait et bien géré. Et gratuit si vous avez montré votre tibia au vigile de l'entrée. Oh, wag! Ah, Iron Tigre! Ah, Bouya, j'ai tout raté, mais je suis là pour le soutien. Oui, je t'ai cherché. Je t'ai cherché, Iron Tigre. Tu me déçois. Tu m'as abandonné. Tu m'as abandonné. Tu m'as abandonné, Iron Tigre. Iron Tigre qui suit beaucoup les émissions entre deux guerres, qui n'en loupe aucune. Et là, ce soir, je ne le voyais pas dans les commentaires. J'avais prévu de lui envoyer d'ailleurs un message après en lui disant, mais t'étais passé où? Ah, mais j'ai la figurine de ce salon. J'avais oublié que c'était cool. Bah, voilà, Otal qui nous dit qu'il avait la figurine, il l'avait oublié. Voilà, donc les JFJ, très très chouette, 23 et 24 mars en région parisienne, à Sartrouville, plus exactement. Passons à un autre salon. Alors vous allez me dire, mais Max, ça n'a aucun rapport avec la choucroute qui est le Wargame, ou la kartoffel patatoes, ou le plat que vous préférez régional. Hein. Le salon fantastique, qui a lieu le 30, 31 mars et 1er avril, puisque 1er avril, ce sera le lundi de Pâques. Au Parc Floral de Paris. Donc pareil, si vous êtes du côté de l'Île-de-France, ça vaut le coup d'y aller. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu me parles de ça? Ça n'a pas de rapport avec le Wargame. Alors, vous avouez que oui, ça n'a aucun rapport. Mais, c'est un salon très chouette. C'est un salon geek, alors geek au sens large, puisque c'est vraiment dédié au fantastique et un peu à la culture. À la pop culture animée manga, puisque c'est couplé, les deux salons sont, il y a deux salons couplés ensemble. Mais pour y être allé l'an dernier, c'est un salon qui vaut le coup d'œil. Déjà, un, pour passer un bon moment.
Et puis, parce que on parle Wargame dans cette émission, mais là, pour une fois, j'avais envie de vous parler d'un peu culture geek, parce qu'on va pas se mentir, on n'est pas que des Wargamers. On est des geeks aussi. Hein. On aime pour certains d'entre nous Star Wars, le Seigneur des Anneaux, le jeu de rôle aussi. Vous voyez ma bibliothèque souvent, d'ailleurs, moi, lors des émissions, j'ai un bon paquet de bouquins, de comics et tout le tintouin. Donc voilà. Donc je me suis dit, une sortie qui change un peu du Wargame pur, je voulais vous la proposer. Il y a des auteurs. Beaucoup d'auteurs de romans qui s'auto-éditent. Il y a aussi plein de créateurs, des fois des créateurs de jeux de rôle, des créateurs de matériel pour le jeu de rôle, de créateurs de bijoux aussi. Très sincèrement, moi l'an dernier, je l'ai fait avec mon épouse et mon fils, et on avait passé un super, super moment tous les trois, donc c'est un événement familial. Donc je me suis dit que vous en parler, c'était pas déconnant, et ça vous changerait un peu du Wargame. Deux événements qui sont ce mois-ci où j'ai bossé pour. Ah bon, t'as bossé pour le Salon Fantastique, Ben? Ah bah je ne savais pas. Moi j'aimerais être prévenu à l'avance des salons cyberpunk. Bah, le problème c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils auront lieu, ils sont trop loin dans le futur, Wag. Bon, je ne vais pas vous lire les bêtises de WAC parce que sinon on va avoir des problèmes avec YouTube. Voilà, donc le Salon Fantastique, événement très sympa, familial. Voilà, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à y passer. Ça vaut le coup, les places sont achetées sur Internet. Voilà, vous allez sur la page Facebook du Salon Fantastique, vous avez le lien pour la billetterie. C'est assez simple, voilà, si jamais vous voulez y participer. Passons à la suite. Hop là. Et le dernier salon dont je voulais vous parler, le 27e concours international. Oula. Vous avez décidé de me tuer avant la fin de la soirée parce que vous m'avez encore fait peur avec les follows, mais merci, merci infiniment pour les follows. Et c'est Delimitel qui nous follow. Merci infiniment à toi de nous follow. Voilà, même si tu m'as fait faire une attaque cardiaque, ce sera la deuxième de la soirée. Allez-y, vous pouvez envoyer tous vos follows, les gars. Moi, même si je meurs, la cause AJS vaincra. Plus sérieusement, merci, merci infiniment pour le follow. Donc, je reprends le cours de ma conversation. Le 27e concours international de Montrouge, qu'on présente quasiment plus parce que c'est un des gros salons de peinture, de concours de peinture sur figurine, avec des animations de démonstration. Ah, on m'a pris au sérieux qu'on m'a dit on va essayer de faire une attaque ce soir. Et c'est Dig Jojo qui nous follow. Merci infiniment à toi de nous follow. Merci, merci beaucoup. Donc voilà, donc Montrouge, le 27e concours international. Donc gros concours de peinture avec un très très gros niveau. Donc si vous voulez vous décoller la rétine, vous pouvez y aller. Je pense que vous allez ressortir avec les yeux fondus tellement il y a des belles pièces là-bas. Si vous voulez vous mesurer aussi à des peintres talentueux, c'est le moment. Sortez vos muscles, sortez vos débardeurs et vos plus beaux pinceaux et vos plus belles figurines. Et n'hésitez pas à aller participer au concours. C'est préinscription sur Internet pour qu'ils puissent catégoriser correctement et prévoir la place nécessaire. Animation. Autour du concours de peinture, des démonstrations, des commerçants aussi bien de figurines que de matériel de peinture. Je sais qu'il y a des revendeurs de socles pour les bustes, il y a des sculpteurs pour des pièces, des bustes justement de figurines ou même des pièces en 54 mm. Et si je ne me trompe pas, il y a TGCM qui sera sur place en figurines et je crois, mais pas sûr, pas sûr, pas sûr, pas sûr, qu'il y a Alchemy qui sera également sur place. Voilà, je mets des guillemets quand je dis parce que Alchemy, je suis pas sûr. Je sais que TGSM s'était annoncé, je suis plus sûr pour Alchemy, mais voilà. Donc, bel événement, très sympa, vraiment à faire. L'entrée gratuite, donc vraiment, allez-y. Voilà, c'est une bonne balade à faire entre copains, entre amateurs de figurines et de peinture, ou même tout simplement en famille. Hein, juste voilà, vous balader en famille pour voir un peu les créations, le travail de différents. Peintre, créateur, et voilà. Donc vraiment, je vous le recommande. Concours très, très, très chouette, événement très chouette. Benito qui nous dit qu'il y a aussi Troll et Légendes en Belgique. Alors effectivement, Troll et Légendes, beaucoup de gens en parlent. Malheureusement, ça fait plusieurs fois que je le loupe et je ne l'ai pas fait. Et ne l'ayant pas fait et n'ayant eu que pas des retours, enfin des retours plus des copains qu'autre chose, je me garde d'en parler parce que je pense que j'en parlerai pas assez bien. J'en parlerai pas assez bien, et ce serait dommage parce que c'est en plus c'est un gros événement, Troll et Légendes. Je pense que je le ferai
Dans 1 ou 2 ans, je ne sais pas encore, mais voilà, j'essaierai de le faire. Là, malheureusement, en plus, ça tombait pas bien. Tous les événements tombent à peu près en même temps, comme je vous ai dit. En plus, ça, sur les, je vous dis, du week-end prochain jusqu'à la fin avril, tous les salons s'enchaînent à droite à gauche en France. Donc c'est un peu compliqué dessus. J'ai vraiment fait une sélection de ceux que je connais bien ou avec des annonces importantes ou sur lesquels je vais. Donc, je suis déjà allé, je peux en parler, je peux dire ce qu'il y en est. Mais oui, il y a Trolls et Légendes, pour ceux qui connaissent, c'est un gros événement. Jeux, figurines, peinture, voilà, c'est gros event en Belgique et pour pas dire en Europe. Ouais, qui nous fait le plus simple, c'est pas plutôt d'annoncer les events où vous n'êtes pas Nico. Bah en fait, ça, aucun. Je crois qu'il est dans tous. Ça sent les futurs voyages. Oh oui, il y a des chances, il y a des chances. De toute façon, jamais visité la Belgique, donc ça sera peut-être l'occasion d'aller visiter la Belgique. Tant qu'à y être, goûter de la bière belge, ça peut être très intéressant aussi comme expérience. Surtout que j'aime beaucoup la bière belge. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur cette émission entre deux guerres du mois de mars. J'espère que tout ce que je vous ai raconté, expliqué, montré vous a plu, que vous êtes amusé en notre compagnie. Comme d'habitude, bah, en fait, on va se revoir dans un mois. La prochaine émission est normalement le 11 avril. J'essaierai d'ailleurs de vous faire un retour sur les salons dont je vous ai parlé ce soir dans la prochaine émission. Donc ça risque peut-être de nous donner une émission un peu dense, je vous avouerai. Mais voilà, j'essaierai de vous faire un retour sur ces événements dont je vous ai parlé. Voilà, je pense que aussi le nouveau format, je sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, de vous parler d'un sujet en particulier, comme j'avais déjà testé avec Pillage le mois dernier, est assez sympa. Donc n'hésitez pas à me le dire là dans le chat. Mais même en commentaire si vous êtes sur la rediffusion, si ça vous a plu et si c'est un format que vous voulez revoir sur l'émission. Donc voilà, et si vous voulez aussi, je vous parle de salon, même si vous êtes, admettons, vous voyez tomber sur Entre-deux-Guerres et que vous organisez un petit salon à droite à gauche en France, n'hésitez pas à venir en commentaire m'en parler, ou venir sur le Discord d'Entre-jeux Studio m'en parler, ce sera avec grand plaisir que je le mettrai en lumière, parce qu'après tout. Il faut que tout le monde en France puisse avoir aussi son salon, son event auquel aller. Il n'y a pas de raison que seule une poignée de grandes villes puisse avoir son salon. Il n'y a pas de petits ou de mauvais salons. Il y a juste des endroits où il n'y en a pas. Donc, si vous voulez organiser un salon, que c'est votre premier et que vous voulez un petit coup de pub, vous n'hésitez pas à envoyer soit un message en commentaire sur YouTube, soit sur le Discord d'Entre Jeux Studio. À Mad Max et je me ferai un grand plaisir d'en parler. Pareil, si dans les commentaires de la rediffusion vous voulez que je parle d'un jeu en particulier parce que il vous plaît tout ça, ce sera avec grand plaisir que j'en discuterai avec vous. Je pense que je vais avoir pas mal de demandes, mais j'essaierai en tout cas de moins de parler de plus en plus de jeux différents. Donc voilà, n'hésitez pas à me demander quel jeu vous voudriez que j'aborde dans une prochaine émission, même si le prochain jeu est déjà dans ma tête pour la prochaine émission. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur le milieu du wargame et de la figurine. Et on va revenir sur ma tête en grand écran. Je sais, ça fait peur. Hein. Voilà, ça fait peur. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais à Montrouge, il y a aussi une figurine exclusive. Là, j'y pense à l'instant. C'est un Gaulois. Là, cette année, c'est un Gaulois, un buste de Gaulois qui est très très chouette. J'ai assez hâte de le prendre pour essayer de le peindre. Même si j'ai quelques bustes à la maison que je dois peindre, mais j'ai des copains qui peignent très très bien. Ça me fout le cafard et du coup, je me sens pas à faire mes bustes. Même si mon objectif, c'est d'arriver à avoir des displays pour l'Octogone en octobre. Je vous en parlerai en temps voulu. Pour pouvoir participer au concours de peinture là-bas. Oui, n'hésitez pas, il ne mord pas. Enfin, pas le premier soir, dit Wag. Alors, je te rassure, je ne mords jamais. Moi, je ne mords pas, je casse des genoux. voilà tout ce qu'on pouvait dire, du coup, sur la figurine. Mais écoutez, je pense qu'on va poursuivre avec la tradition de l'émission instillée par. Appelle ce feu à la grande époque d'Entre-deux-Guerres, en ses débuts, c'est le mot de la fin. Et c'est vrai que d'habitude, j'essaie de prévoir mes mots de la fin un peu en avance, parce que c'était l'habitude que j'avais déjà dans les autres Entre-deux-Guerres. En plus, je faisais une fixette sur un jeu à chaque fois. Pour ceux qui ont suivi l'année 2023, c'était Ranger Shadow Deep.
Là, cette année, cette fois-ci, j'hésite. Oui, bien sûr, Ben. Bien sûr, Ben. Demain, 17h sur Game on Tabletop pour le crowdfunding Alchemy. De toute façon, je vais essayer de sortir la vidéo au plus tard samedi matin. Donc, je mettrai les liens dans la description de la vidéo. Et si jamais, de toute façon, je posterai un message sur le Facebook entre jeux studio pour que vous n'oubliez pas qu'il y aura le crowdfunding a commencé. Et donc le mot de la fin, ce sera pour cette fois-ci, ce sera Malifaux. Je n'en dirai pas plus. Et sur ce, mes chers viewers et vieweuses, je vous souhaite un excellent week-end, une excellente fin de soirée déjà, un excellent week-end, un excellent mois hobby. Et on se revoit, nous, dans un mois, pour un nouvel ordre de guerre. Portez-vous bien, que les dés soient de votre côté et que vos pinceaux ne se brisent pas. Ciao, ciao, et des bisous.